les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Survarium pour les snipes, Bon allez, on va se faire une partie, je vais faire d'abord un petit briefing sur les snipes, vu qu'on m'a demandé, je l'ai mis dans les commentaires, mais bon, les commentaires c'est... Voilà quoi, il faut savoir que c'est là, donc je vais quand même le faire en vidéo vite fait. Je vous ai fait le petit planning sur la chaîne, je me suis dit bah voilà, il y avait des petites idées, donc allons-y pour les jeux. Voilà quoi. Tout simplement, donc ici on va s'attaquer à la SVU. Et puis bah voilà, je vais faire le briefing vite fait sur le snipe. Donc je l'ai déjà tout expliqué dans les commentaires, mais bon, vite fait. Donc, commençons par le Tyrol. Tyrol, Mosin, la Winchester c'est de la merde. Voilà, donc le Mosin est nickel. Nickel jusqu'au pied à tier 2, 3. Voilà. Même le. Ouais. Le Mosin reste quand même à OP jusqu'au. Ouais, tier 2, 3. Même le. Le 4 tiré au max, le 5 ça devient un peu plus galère. Le Remington, bah, c'est le plus polyvalent de tous, je trouve. Bon, il faut aimer la SVD, mais moi la SVD, j'ai pas trop. Dès que tu tires un coup, si tu balances deux abdos, le canon peut un peu n'importe comment. Bah, avec voilà. C'est un peu bizarre, ça part. Je trouve que les subis automatiques dans ce jeu sont très très mal faits. On dirait que ça tire n'importe où. Le SVU, c'est pareil, je vais vous montrer, c'est une horreur. Mais encore pire, Donc le Remington pour moi c'est le plus poli, bah, c'est le mieux. Le SV98 il est nickel pour camper. Si tu campes à longue distance, t'as le temps, parce que le chargement de la balle dans la culasse, dans le verrou, dans la culasse, ouais, du verrou, est vachement lente. Donc si vous vous avancez, ça va être trop galère. Donc autant prendre le Remington, il est bien mieux, vous rechargez beaucoup plus vite la balle. Donc si vous avancez petit à petit, c'est mieux. Le Tau c'est nickel en tir 3, bon je dirais que le Tau c'est quand même mieux que le plus rapide. Je dirais mieux que le Mosin quand même. Mais bon, tir 1 forcément vous avez pas trop le choix, tir 3 non plus. Bah si, vous pouvez utiliser le Mosin. Voilà, je vous montre. C'est plus ou moins pareil quoi, donc à vous de voir. Moi j'ai bien le Tau, mais c'est vrai que le Mosin il est pas mal non plus. Tier 7, à partir du tier 6 je dirais le Sokoum. Et tier 3, je dirais le soc. Le soc, c'est vraiment contre la camp. Le soc, il est parfait pour avancer. Vous avancez comme une arme d'assaut, quoi. C'est pour ça que l'eau foutu dans les armes d'assaut. Il est nickel pour avancer. Est-ce que c'est pareil? Moi, je préfère le soc. Je fais plus de kills avec le soc, même si elle a une sale gueule, qu'avec l'SKS. Mais les deux sont très très bons. Il y a juste une petite différence. Le SKS est plus léger, je crois. Le soc, lui, il a une meilleure cadence de tir. Ça joue pas de beaucoup, mais voilà, la cadence de tir ça peut toujours aider. Donc le snipe, voilà. Donc pour ce qui est de camper, le SV98, sinon les autres, voilà. C'est surtout celui-là qui va être pénalisant. La SVD, il faut aimer le subi automatique, moi j'ai pas trop et j'y arrive pas trop. Alors à partir du tier 6, le Sokoum. Le Sokoum, qui est valable jusqu'au tier 10, largement, il a aucun problème, il est vraiment pété. Il fait pas extrêmement mal, mais sérieusement il est top. Il est pas pété, mais il est bien polyvalent. À son tir il est pété par contre. Mais en tier 10, voilà, bonne armure et tout, vous encaissez bien, donc il faut quand même un peu plus de balles, mais il est très très bon quand même. Allez, bon pour celui-là. Tier 8, bah le SVU, vous allez voir, moi je vous le conseille pas en fait. Le SVU, je suis vraiment très très déçu parce qu'il est très très pénalisant. Il faut quasi que camper avec cette arme. Parce que déjà, tous les équipements qu'on gagne dessus sont super loin à obtenir. Ça, c'est le deuxième scope, il est assez rapide. Il faut 60 kills. La CEG, mais il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment pur. Il est pas. Voilà. C'est vraiment pas une arme que vous allez encore à court. Alors, il faudrait le viseur laser assez vite pour pouvoir faire du 2 scope très très vite. Parce que vous tirez aléatoirement. C'est vraiment des coups de chance si vous arrivez à tirer au 2 scope avec celle-là. C'est très très très. En plus, le curseur. Même si vous avancez, il est quand même un peu trop élevé, c'est pour ça. Si le curseur était plus petit qu'on nous donnait quand on avance, pas quand on court, hein, quand on marche, s'il était plus petit, pour faire vraiment le... Comment dire, faire du tir onoscope, putain, j'arrive pas à la mire, non. Bah, tir sans visée, j'arrive pas à trouver le mot. Il serait nickel, sérieusement, il serait vraiment bien, parce que de près, vous êtes trop dans la merde. Donc c'est vraiment un snipe subi automatique qui va vous casser bien les couilles, à part si vous campez. Voilà. Le VSK, je l'ai jamais blairé. Le VSK, je ne le supporte pas.
Je, à chaque fois que je l'utilise, je fais rien de bon avec. À chaque fois, elle fait des petits hits à la con, je lui trotte balle ou des trucs. Elle est pas. Voilà. T'en as qui arrivent à faire des super bons trucs, et t'en as qui. Comme moi qui. Voilà. Moi, je suis pas fait pour les semi-automatiques. À part pour peut-être le SOC et le SKS, mais le SVU, vous allez voir, c'est une galère. Mais bon, je m'en sors très bien avec quand même. Mais je joue pas comme je jouerais normalement en fait. Je vais être plus safe. Je vais moins avancer. Donc voilà, vous allez voir, c'est un petit peu contradictoire par rapport à mon gameplay. Alors, entre le Vichlop et le Barrett, le Barrett je l'ai pas. Pour le Barrett, il faut que je passe légendaire. Et vous voyez, il me reste encore quand même pas mal de points à débloquer. Donc, comme je l'ai dit, plus ou moins 30 à 40 parties. 45 parties. Et vu que je joue plus trop pour l'instant, vu qu'il est optimisé par les, hein, par les coronesses. Voilà, et que j'ai plus trop envie de toute façon de jouer dessus, bah voilà. Pour l'instant, on va y aller mollo, quoi. Mais c'était mon objectif principal, c'est d'avoir le Barrett. C'est vraiment d'avoir le Barrett. Donc le Vichlop, ce qui est insupportable avec ce truc-là, c'est que vous pouvez pas être pile poil sur la cible. Vous devez bien viser en avant et plus vous êtes loin, la balle est très très lente. Mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous devez viser beaucoup trop près et encore quand vous touchez, des fois, c'est voilà, si en une seconde vous appuyez sur le vite fait sur le bazar. Pour vous soigner, vous pouvez vous sauver quoi. C'est une horreur. Sérieux, le Vichlop, elle pue la merde. Maintenant, de près, elle est nickel. Elle jure bien de près. Le rechargement de la balle est assez rapide, ça va. Mais de loin, c'est pas trop ça. Sérieux, voilà, c'est pas trop ça. Peut-être avec le canon long, mais bon, voilà. Tier 10, ça demande de blader de kill à faire. Voilà, module, canon long, il faut quoi? 1875 kills. Va te faire enculer. Mais bien profond. Bon, on va reprendre la SVU. Ben voilà, on a fait un petit peu le topo, mais bon, le pareil, voilà, dès que je peux, je vous le proposerai. Est-ce qu'on peut. Non, je peux pas comparer. Attends, SVU, si. Je peux vous le comparer. Vous allez voir. Donc, c'est tous les deux des armes de tier 10. Barrette, c'est du tier 10. Voilà. Voyez les stats. Elle est complètement pétée par rapport au Vichlop. Et puis la balle elle est un tout petit peu plus un petit temps quand même arrivé, mais beaucoup moins que le Vichlop. Beaucoup moins. Voilà, 140 de dégâts. Le niveau dégâts et armure, ça ils ont bien équilibré parce que c'était pas tout à fait pareil. Le Vichlop ils l'ont bien monté. Ouais, donc pour les dégâts, oui, j'avais pas vu ça. Pour les dégâts, donc vous touchez, vous le tuez, il est KO. Ouais, il est KO one shot, il a pas le temps de faire quoi que ce soit là. Là, il est dead. Maintenant, voilà. Si vous avez mis. Attends. Peut-être, ça dépend peut-être de la distance. Hein. Si vous êtes un peu trop loin, à mon avis, vous one shotez peut-être pas. La cadence de tir 45, donc c'est quasi un truc semi-automatique. Bah, la cadence, vraiment pour ce truc-là, est pété. Je le vois au jeu, il est pété. Complètement pété. La dispersion, bon, c'est plus ou moins pareil. Le recul, attends, le Barrett qui a plus de recul que le Vichlop, c'est quoi cette blague hein? C'est n'importe quoi. À ce niveau-là. Ah non, je me trompe. 3-3-2, justement, c'est le contraire. Non, bah non, attends. Non, non, ouais, c'est le contraire, oui. Plus c'est haut, plus c'est. Voilà, c'est pour ça que là, la flèche, je me trompe. Donc, le Vichlop, maintenant, ça. Vous allez voir, c'est quand même pas très négligeable. Bah, c'est pas très. C'est pas très visible. Le mec, il tient une arme, déjà. Voilà, il pèse déjà 14 kilos dans les mains, dans les bras. Et il a que 3-3-2 de recul. Avant, au tout début, il était bien parce qu'il était, très très dur à utiliser à cause du recul qui était gênant. En tout cas, dans ce que j'ai vu, hein, tout ça, c'est pas du testé vu que je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, avant les gens ils campaient à mort, maintenant ils peuvent déjà un peu plus se déplacer. Mais le recul, voilà, c'est trop peu. C'est voilà, t'as 14 kilos dans les mains, déjà que des mecs ils arrivent à apporter deux trucs en plus. Donc avoir une arme d'assaut plus le barrette s'ils veulent, c'est. Il devrait pas, ça devrait pas être autorisé, il devrait bloquer ça pour côté Talbright, d'avoir qu'une seule arme. Mais le recul est, voilà, le recul est pas assez élevé à mon goût. Quand tu le vois, les mecs ils te balancent des bastos, ça va assez vite, en plus de ça, bah ça remonte pas trop le canon, c'est vraiment du n'importe quoi. La distance, bon, voilà, c'est Barrett, ça tire de loin, à 2 km, donc on s'en fout. Le magasin de 10 balles par rapport à ça, et que voilà, le poids. Bon, j'ai hâte de l'avoir pour vraiment vous le montrer, mais je sais bien que ça va chier. Il n'y a pas photo, ça va chier. Bon, je vais juste reprendre le tissu et on va lancer. Voilà.
Donc on n'a pas de choix de balles, directement c'est les balles de base. Maintenant je joue artefact. L'anomalie, même si je l'utilise pas trop. Ah tiens, ils sont toujours pas. Non, hein. On peut toujours pas accéder au. Ok, c'est chier quoi. Plus intéressant quoi. Ah bon. Regardons un petit peu si ça parle pas. Fucking Orisian. Mort de rire. Lui va faire ban. Ouais, j'ai toujours mes trucs de la dernière fois. Gagner 5 balles, bon ça je le ferai pas. Peut-être ça il a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être arriver à 5. Ça c'est vraiment nickel pour monter les. Et de comme mettre des symboles sur votre tenue, ça vous donne des petits plus de plus 2 en expérience. Pour ça en expérience, des petits trucs comme ça, c'est intéressant à les mettre. Maintenant il faut pas mettre deux fois les mêmes sinon ça marche pas. Moi je le fais juste pour la classe. Je baisse Scavenger bah, pour monter un peu plus. Celui-là il me donne plus 2% d'expérience. Et voilà. Ouais, bah pour toi il a, ça va, il a pas trop. Là c'est. Ouais, ça diminue. Ils sont peut-être partis. Ouais, ils sont sûrement partis au game. 86% en attente. Avant c'était mieux parce qu'il t'indiquait, ouais c'est petit, ça part. Avant il t'indiquait quel tiers, voilà, était en recherche, combien de personnes plus ou moins il avait en attente. Ouais, là ça remonte. Pour chaque tiers, tiers 1, 2, 3, 4. Et je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, ça c'est débile. C'était vraiment bien. J'espère qu'on va pas attendre de trop. Bon j'ai pas monté maintenu, rien à foutre. Ah si, peut-être celui-là, l'armure, je sais plus. Non, là, non, je ne l'ai pas amélioré depuis un moment. Et je suis en train d'économiser là. Je suis en train d'économiser des pièces. De l'argent, de la monnaie. Mais bon voilà, demain, sans faute, double, ils sont encore sortis de mise à jour de 3,4 Go après que j'ai fait la vidéo, j'ai. Bah, elle se faisait pendant, mais j'avais pas vu que c'était du 3,4 Go, donc peut-être que ça va corriger les avis des autres. Il y a peut-être des problèmes et ils ont directement sauté dessus quoi. De toute façon, hein, insulter une bêta, ça sert à rien. Bah, ils l'ont pas insulté, mais bon. Je sais pas, à voir. Surtout que j'ai pas vraiment lu les commentaires, mais ils étaient pas très contents quoi. Allez putain, vas-y, trouvez une putain de partie, 105 personnes là en attente. Cinquante de ping. Ah voilà, le ping en Russie était meilleur. Ah non, c'était. Attends, c'était où, en Amérique? Non, je sais plus. Je crois que c'était en Amérique. C'était 52. J'avais. Non, 80 ping, ouais. Maintenant, c'est carrément le double quoi. Voilà, enfin. Oh pitié que c'est pas de la batterie. Ça va. Ah ouais, mais sur cette map là ça va pas aller. Ah ça va puer. Vous allez voir la lunette. Putain, c'est un truc de malade, c'est de la merde. Ils auraient pu, au moins si on avait la possibilité de l'enlever, quoi. Je comprends pas sur une arme comme ça qu'on peut pas enlever la lunette, quoi. Parce que sérieusement, c'est trop pénalisant avec. Bon, le skin sinon il est bien, le skin est vraiment stylé. Petit FN, un petit MP7, un petit bonbonne d'oxygène, un petit espace 12. Oula, un petit bug au canon lui. Je suis en derrière. Ah bah tiens, il a SVU aussi lui. Ouais, si ça va être chiant, ça va être vraiment galère. Je me rappelle pas que la météo était aussi pourrie moi sur cette map. Culé, il me l'a piqué. Il me l'a mise en plus hein.
Bon. Ah, par contre, je suis déjà en train de jouer avec Vader, si c'est pas cool. Allez, moins deux. Vous voyez le recul quand vous tirez avec ce truc, c'est un truc de malade. Il faut vraiment que je mette le recul dessus parce que dès que tu tires une fois, t'as le canon qui remonte, mais un truc de nep. Un truc de n'importe quoi. Dommage. Non mais elle a aucun recul l'RPK. Ça il va falloir m'expliquer quand même comment ça se fait que les RPK, celle-là, la PKP, qui sont des armes super lourdes, qui sont extrêmement gênantes dans le déplacement, elles vous emmerdent pas plus quoi. Il va arriver normalement derrière lui. Non. Il est passé où le mec? Ah ouais, si ça corp, regardez-moi cette merde là. Pff, allez, avec ton petit RPK de PD là. Ah voilà, RPK, je le trouvais pas génial, mais maintenant il a tout le monde qui joue avec. Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus, mais. Vas-y, je peux faire sniper là. Attendez, ce qu'on va faire, on va lancer cette petite grue aléatoire. Espérons. Je suis sûr qu'il a encore les avions. Mais vous voyez, c'est vraiment pas une arme. Vous voyez la mire comme elle est puante. Quand vous avancez, c'est vrai que vous marchez, je ne crois même pas là. La mire est trop élevée en fait. Il m'a mis un one shot. Attends, j'ai reçu qu'une balle. J'ai vu qu'une balle, moi. Quand une balle des accros. Le truc, il m'a même pas tiré deux fois, quoi. Ah, ok, il a du tier 10. Bah, voyons. Bah, voyons. Le mec, il est au VSK. Magnifique. Encore une belle partie. Médaille. Vous voyez, regardez-moi ça. Comment vous voulez être précis? En plus, avec cette retenue de respiration de fils de pute. Bah, ouais. Ah ouais, Asval, allez, tier 9. Ah ouais, je suis en tier. Ouais, non, c'est vrai que je suis en tier 8. Ouais. Ah oui, c'est donc, je raconte, c'est pas tier 10. Ouais, c'est logique, bon, c'est encore logique. Maintenant, la différence des tenues. Mais c'est vraiment une map de merde pour jouer avec les SVU. Là. Putain, il y a tellement de décors à la con et puis sa respiration de fils de help. Faut pas dire fils de puta. Regardez, vous avez vu, je suis dessus, ça touche, ça tire pas droit. Eh ouais, putain, et ça corp. Madine Russian. Toujours en train de corper dans la base. Ah, le VSS. Tiens, ça fait longtemps que j'avais plus vu celui-là. C'est le petit cousin du Asval. Et du VSK en même temps, c'est plus ou moins le même stat. Sauf que je crois qu'il est mieux. Bon, je vais les laisser gérer à gauche parce que là je serai pas moi. Là. Voilà, je suis obligé de fouler hein, pour essayer de compenser le recul quoi. Qui est juste horrible. Et même en appuyant sur majuscule, hein. Si vous avez vu sur majuscule, ça dure pas longtemps du tout quoi. La respiration, putain. Allez! Non, il était au-dessus. Okay. Là, je vais faire une belle connerie, je suis trop près là. Eh oui, comme par hasard. Hein. Bah ouais, comme par hasard, hein. Putain! Faut que ça campe à leur base en plus, ça campe chez nous, ça campe chez eux quoi. Putain. Ça commence, ça va déjà me casser bien les couilles comme il faut.
Là. À la fenêtre, il y a moyen. Non, mais vas-y, je suis dessus. Regardez-moi ça, ça coupe encore à la base. Surtout, ne prenez pas mal de grenades. Hein. Ça vous ferait trop de mal. Mais vas-y, mais tire-le, putain! Mais vas-y, allez! T'as RP4 PD là pour jouer. Campé à notre base quoi. Faut dire que je suis tombé avec des boulets. Y a pas d'autre pot. Je suis tombé avec des boulets. Mec, ils servent à rien. Non mais regardez-moi ça. Oh, c'est n'importe quoi. Le mec qui joue avec du tir 4, il est encore plus facile à me tuer qu'avec un putain d'SVU quoi. Le tir 8. Pourquoi on peut pas enlever cette putain de lunette qui vous casse les couilles? Parce que vous voyez le zoom, c'est encore pire que la lunette de base. Hein. La lunette de base est plus facile que la lunette ACOG. Donc je m'interroge. Est-ce qu'ils testent vraiment leur arme quand ils les sortent? Est-ce qu'il faut juste des armes pour... Mais ta merde. Ah ouais, là je suis fait une tête, y a rien à foutre. Voilà, lâche. Voilà, tiens, mange. Tiens, mange aussi, toi. Voilà, c'est vraiment énorme. Voilà, je vous le montre. Voilà, trois mecs, et je suis obligé de camper. Je suis obligé de me cacher derrière un putain de truc pour avoir l'avantage. Ah, il m'a piqué l'enculé. C'est horrible. Il a pas d'autre poste, c'est horrible. Vas-y, viens. Il a eu? Ouais, un PS7, il défouraille le mec. Voilà, t'es branche. Pour être vraiment OP avec cette arme, c'est ça. Il faut rester. Ok, il s'est pris deux balles. Ouais, tire 9, il est allé à French. Je sais pas d'où il me tire lui, mais... Ah merde, il doit me voir de l'autre bout. Wow. Ah là là, regardez, aucun recul. Même moi j'ai du recul avec la PC quoi. Putain, mais c'est fou, hein, ça. L'MP5, bon, l'M4A. T'as de moins en moins de recul sur les armes. Je préférais avoir où tu galérais plus. Ici, tu galères même plus. T'as les armes d'assaut, bah. Tu fais plus. Connard, bah oui, allez. Regardez-moi ça, c'est un cop de notre base, hein. Putain. Master of Corpeur, hein. Maître de la Corp. Made in Russian. C'est quoi ça? Ah tiens, SVD, tiens, ça va changer. On va voir si... On va essayer de se faire un duel. Il doit être dans les avions. Ah, il est en haut, merde. Ah non, ça n'a rien, il est mort. Bon. Putain, mais t'es sérieux. Le jour où tu pourras jouer avec des mecs de ton tiers et pas des tiers élevés, putain, ça changera déjà la donne. Les mecs qui sont à tier 9. Mais t'es sérieux là. Et c'est une putain de blague. Bah oui, bien sûr, bah oui. Découpe avec son truc. Et vous devez tenir. Imaginez, vous devez tenir pour 200 kills. Ouais, 200 kills à se faire clairement chier. Il était là à la tour.
Non mais regardez, je lui ai mis la balle, j'étais viseur en plein dans son torse. Chez lui, il a rien comme recul. Il a que dalle. Mec, ils passent leur vie dans notre base, quoi. Et les mecs qui ont des putains de fusils d'assaut, ils vont même pas les chercher. Non mais ta mère, je devrais te one shot, tu sais quoi. Je devrais te one shot, mec. Il n'y a pas photo, je devrais tellement te one shot. T'as aucune utilité à jouer avec cette arme de merde. Aucune. Regardez, vous voyez la mire quand j'avance? Voilà, je suis obligé de full. Parce que les balles le partent n'importe comment. Allez, reprends tes balles. Reprends ta vie. Non mais fallait. Et c'est pas qu'on va chercher. On peut pas aller chercher les ennemis, les mecs ils campent déjà de la base depuis le début quoi. Les mecs ils sont tellement mauvais et pourris pour aller chercher les ennemis qui sortent, qui restent dans la base quoi. C'est bon, je veux dire. Grenade. Je sais pas s'il a vu. Il va peut-être. Non. Malheureusement, non. Les armes d'assaut, sérieux, c'est vraiment viable. Les armes comme ça, c'est vraiment pour dire je suis une nouvelle arme pour faire plaisir. Mais en fait, c'est. C'est pas un cadeau, quoi. Bah oui, bah tu es sûr, hein, ouais. Ouais, mais fils de pute. Alors, restez dans la base. Attends, je prends la M4. Je voulais montrer, mais je la supporte pas. Donc, mais bon, comme promis, je voulais montrer. Quel cadeau. Ouais, je vous le dis, quel cadeau de sortir une arme aussi bien. Allez, reprends ta vie. C'est vraiment putain de cadeau. C'est-à-dire qu'il faut 400 kills pour avoir toutes les. Plus de 400 kills pour avoir les. Eh oui, il te faut combien de balles toi? Boum. Tiens, tiens, celle-là elle est passée. Il a plus de vie aussi, faut dire. Okay. Il a découpé. Non, encore une fois, si vous passez votre vie à camper, il a trop moyen. Merde. Ouais, je t'ai mis une tête, mec. Hein. Je dis ça, je dis rien. Merde. Merde. Ouais, ouais, mais ils étaient trois sur moi. Putain, t'as même pas un allié qui va m'aider. Ça, pour me le piquer, ça, il est fort. Hein. Même sans qu'il y en a qui sont partis déjà dans l'équipe, c'est pas normal, toi. Mais vas-y, mais tue-le, mais qu'est-ce que t'as tort? Arrête de. Regardez-moi ça, quoi. Ah là là. C'est pas. Regardez, on pousse, hein. C'est pas comme si on campait dans la base, hein, non. Quand tu campes dans la base, ouais, je comprends que tu vas les pousser parce que tu te fais chier. Non, mais là, 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 les mecs. Non mais vas-y, combien de balles il te faut? Merci de l'allié de servir à rien en plus, hein. Putain. T'as un allié à côté de lui? Ou c'était... Non. Pff, quand une team de merde. Le mec il continue à camper quoi. Putain, il comprend pas quoi, que c'est le moment de bouger son cul. Bah toutefois ça c'était trop tard mais bon. Ah, mais le TSU, c'est de la diarrhée. C'est un faux cadeau en fait. C'est une horreur. Y'a pas photo. Même le V-Shop est mieux. Alors que V-Shop, il est chiant. Il trouve vraiment chiant. Allez, les amis,
à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser des commentaires. Voilà, c'était partie rageante. Voilà. Allez, salut.